Bonjour à toutes et à tous, c'est JW9637 pour une vidéo. On se retrouve cette fois-ci sur Wakfu, sur le serveur Datura, et oui, car aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, car je pense aux personnes qui, elles, n'arrivent pas là où j'ai commencé, évidemment. Donc je veux bien évidemment parler de la quête du domaine sauvage. Donc cette vidéo ne montrera pas totalement à la quête du domaine sauvage, mais juste la fin en fait. Donc si vous l'avez pas déjà fait, ne regardez pas cette vidéo simplement, sauf si vous voulez être spoilé. Mais sinon, en gros, vous faites toutes les parties de la quête du domaine sauvage, qui est en 5 parties, et justement aujourd'hui on va faire la cinquième partie, qui la bloque un peu au niveau des questions, parce que des fois il faut marcher sur des trucs, il y a certaines astuces à avoir, et pareil il faut être en bon groupe et tout ça. Par exemple, c'est pour ça que je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Zapik. Oui, c'est moi. Voilà. Avec une voix splendide, merci. Avec mon très cher Dark aussi. Salut. Voilà, donc aussi avec la voix défoncée, c'est pas grave, mais allez. Donc je vais vous montrer où est-ce que c'est sur la map. Regardez, donc, vous voyez, vous arrivez ici, vous parlez au Gugus, vous faites tranquillement votre quête, donc vous faites tout le tour. Et ensuite vous arrivez là-haut. Oups, j'ai fait une connerie. Et en gros vous montez ici, donc c'est la cinquième partie de la quête du domaine sauvage que l'on va faire aujourd'hui. Donc pour ce faire, vous aurez normalement besoin de la clé de la zone de fouille simplement. Donc c'est un objet de quête, donc vous pouvez pas l'acheter ni rien simplement. Donc pour les petits kikous qui ont essayé de dire: ah bah je veux faire comme vous, je veux XP et tout, non, ça marche pas comme ça. Alors on va rentrer tout de suite dedans, on y go. Allez, let's go. Donc, à savoir que je vais vous tourner cette vidéo, mais j'essaie de pas trop vous spoil non plus au fur et à mesure. Vraiment, je vais essayer de tout vous montrer dans cette vidéo, donc toutes les parties qu'il faut savoir pour cette quête. Simplement, c'est pas chacun va partir dans son coin et essayer de faire son truc. Non, non, on va essayer vraiment chacun de montrer toute la quête ici. Voilà. Donc on lance le combat dès qu'on arrive en fait, et nous avons des gardes en quelque sorte. Il y a trois salles, donc une fois avec quatre gardes, une autre fois avec temps et temps par exemple. Vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est juste que il y a certaines personnes qui peuvent le faire et d'autres non. Par exemple, moi je suis un Oza niveau 56, je peux pas le faire parce que je suis pas spécialisé tank ou bien full rose. Voilà, j'arrive pas à les défoncer. En général, je m'arrête juste à la troisième salle et ensuite je me fais défoncer. C'est pour ça que je suis accompagné aujourd'hui de ces deux gentilles personnes, parce que on est full rocks. Ils sont full rocks, voilà, ils sont chauds. Je veux dire, c'est comme Dark qui vient de dire juste avant de lancer la vidéo, comme quoi lui, pareil, au niveau 53, il avait dit, il avait réussi à la faire. 55. 55, excuse-moi. Voilà, moi je veux dire, j'arrive pas à la faire. Si j'arrive pas à faire, je veux dire, ces trois premières salles, j'arriverai pas, je sais d'avance. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné de ces deux tarés. Après vidéo, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je parle à roue, mais je parle à roue. Ah, ok, d'accord. Je croyais que c'était quand même la dernière vidéo où... Non, non, non. D'accord, d'accord. On va pas évoquer ses souvenirs. Et douloureux. Très douloureux, évidemment. Avec les licornes. Que l'on va pas commencer à mettre dans cette vidéo. S'il vous plaît, les gens. Ok? Oui. Un minimum de respect. Ok? Oui. Nickel. Vous êtes des bons. Je ne dirai pas, j'aime les licornes. Voilà. Même si c'est bien d'être fait. Mais c'est pas grave, on t'en veut pas. T'inquiète. J'aime la licorne. Non, s'il te plaît, pas avec Clownfish non plus. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Pour moi, tu l'as dit. Non, Dark. Dark non plus, s'il te plaît. Non. Je sais pas quel des deux l'a fait. Mais bon. Rien n'est contrôlé aujourd'hui. Allez, hop. Comme d'habitude. Comme d'habitude, en fait, avec vous. À part dans mes vidéos où je suis tout sérieux, mais dès que je suis avec ces deux tarés, mais... C'est foutu, bref. Voilà. Ah là là. On les arrête jamais, ces deux-là. Voilà.
Voilà, on saura jamais ce que c'était, si c'était un piaf en train de se faire égorger, ou bien Zap, ou bien Dark, on saura jamais. C'était qui? C'était Zap, Ah voilà. moment de délire chez lui. Putain, non mais vous, les Un corbeau. pires mecs. Zap, t'as pensé à sauter ton tour? Lol. Non, mais arrêtez avec Clownfish, les mecs. S'il vous plaît. Je te jure. Allez. Alors. Évidemment, j'annonce tout de suite la couleur. Cette vidéo va être relativement longue quand même parce que là, là on fait ces trois salles. Ensuite, on fait les trois gemmes. Donc, C'est un spoil, corbeau. s'il vous plaît. Et donc, ça va être légèrement long quand même. Mais on va essayer de faire vite. Je sais pas pour combien de temps on en aura. La dernière fois, j'avais fait cette quête. Donc j'étais mort à la fin simplement parce que j'avais foncé dans le tas et en fait il fallait juste se casser dans l'autre sens, donc gros spoil. Donc j'avais dû la recommencer, mais Zapik, on l'avait fait en combien de temps? À 40 peu minutes? près, ouais, à peu près une Ouais, heure. à peu près En 40. 1 heure et demie en solo, moi. Ouais. Ah ouais? Autant? Ouais. Bah nous non, on était à 3, on l'avait fait en Sans mourir. on l'avait fait en 40 minutes. 40 Ouais, minutes et encore on avait environ, papoté encore. Et on avait ouais. Ouais, régène. mais je compte les temps de régène. Bah, en comptant tous les temps de régène, on avait fait 40 minutes. Mais là, je pense que ça va être... je pense... Moi, Ouais, vas-y. perso, j'ai jamais besoin de régène après. Ouais, voilà, en même temps, t'es un... Sacrière. t'es un sacreur, voilà. En principe, tu veux toujours garder ta barre de charge. Bah non, vu que en fait, vu que je perds pas cette vie, ben Ah oui, à cause de pack de sang, c'est vrai. Enfin, grâce à voilà. pack de sang. Excusez-moi. Voilà. Donc de sang, c'est magique. Exactement. Quelle belle action. On a tous applaudi. Alors hop. Et hop. Donc je crois que depuis ma dernière vidéo, je crois que j'ai pas changé mon Oza, il est toujours comme avant, écoutez, il est toujours beau, toujours fort. Même plus fort, écoutez, parce que là il tape quand même plutôt pas mal. Je l'ai un peu mieux. Excusez-moi, hey, aucun. On se moque pas, s'il vous plaît, les gens. Non, je rigole. J'ai un peu changé sa panoplie. Enfin, son stuff. J'ai pris la cape Prédateur Alpha pour ses 3 de sagesse. Excusez-moi, mais quand même. Je pense que je vais changer. Elle m'a coûté quasiment que dalle. Mais sinon, plutôt pas mal. Ça, il faudrait que je change l'élément. C'est juste que j'ai plus de transmutation. Mais ça, je changerai. J'ai pris l'amulette Tofu Impérial depuis. Donc juste très très bien parce que R-Terre, j'ai pris l'arc Rictus, ça je crois que je l'avais pas à l'époque, enfin durant ma dernière vidéo, et en plus je l'ai mis avec une gemme. Ce matin encore, ou hier soir, je sais plus, j'étais en train de planter des, comment on appelle ça, des roseaux simplement, et il y a quelqu'un qui se pointe et qui balance la Craignos simplement. Donc juste trop bien pour les dégâts tri-éléments. Bon, vous allez me dire ça te sert un peu à rien parce que tu joues pas les tri-éléments. Moi je dirais oui, mais c'est quand même pas mal non plus. Sinon, quoi d'autre? J'ai aussi changé d'épaulette. Donc j'ai mis les épaulettes Prédateur Alpha. Donc pour le point de contrôle, même si je joue principalement Oza Drago. Mais des fois ça m'arrive d'invoque. Sinon j'ai toujours les anneaux Guérin. La ceinture, il faut que je la change d'urgence, je sais. Sinon, le torse, j'ai le même. Et les moule bots, je les ai mis donc. Je crois que ça y était pas à l'époque. Mais bon, ça change pas grand chose. C'est juste optimisé pour plutôt sagesse. Mais il faudrait que je me spécialise un peu prospection ou bien dégâts air-terre ou bien des trucs comme ça, vous voyez. Pour que ce soit vraiment plus optimisé. Même si c'est déjà pas mal. N'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous paye pas assez. Non, je rigole, je les paye pas, évidemment. Non, bien sûr. Heureusement, Non, non, ça non. coûte très cher sinon. Évidemment, c'est pas toi, Zappy, qui faudrait que je paye, évidemment. Oui, car ma Ah, monnaie. ouais, voilà, il a accès à la banque Beaucoup. assez facilement, tu sais. Non, je déconne, il a 350 000 Non, non, kamas. non. Ouais, là, je suis à. 350 000 kamas quand même, c'est pas rien. Oui, Ah. voilà. Voilà, tout Bon, il y ça. a des gens plus riches, hein, Oui, bah sur oui, bien sûr, un ça coup. on le cache pas, bien sûr.
C'est sûr. Mais bon. Voilà. Hop, hop, hop. C'est calme. Oui, c'est calme. Justement, j'ai dit la vidéo va être très longue et je crois que je vais pas mettre de musique de fond parce que sinon il m'en faudrait 15 000 juste. Et en plus en droit d'auteur, donc ça va pas le faire. Tu dois mettre du Nightcore. Non, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas de droit d'auteur. Oui, je sais. J'ai des chansons d'1 heure et demie si tu veux. Ouais, voilà. Non, En plus, non, c'est ça. non, 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 je sais quoi prendre dans tous les cas. Attendez, on m'appelle et c'est dérangeant au niveau du casque. Attendez, ignorer, voilà. Parce que avec mon casque, c'est vraiment chiant. Tu dois te mettre en ne pas déranger ici. Ouais, c'était Guillaume qui m'envoyait un message et ensuite qui m'appelait parce que je l'ai pas répondu, tu sais. Ah, Guillaume. Ouais, quand même. Si vous ne le connaissez pas encore, simplement, Regardez l'autre vidéo. j'avais fait une vidéo avec lui sur comment être un youtubeur ou bien quelque chose comme ça, vraiment des très bons conseils que je conseille de regarder cette vidéo, vraiment. Question pour un youtubeur. Question pour un youtubeur, merci d'avoir le titre. Ah là là. Je pense que je vais taper ici comme ça, je vais tuer les deux. Ok? Ouais, c'est Ouais, exactement ce que je ça pensais. va être juste good quoi. Donc pareil, ouais, les tonneaux, si vous... En fait, les tonneaux ont 100 points. Et si il y a... Non, mais je pense qu'ils seront parce qu'il y a la mission avant là, à faire. Oui, mais Oh. en toute logique, c'est En mars, fortement ils le savent. possible, Si tu mais... veux donner un conseil aussi pour le fond, c'est Pourquoi? chiant à comprendre au début. Oui, c'est compliqué, certains moments, vraiment. Très chiant. Tel ou tel endroit, aller, par exemple. Moi, je sais que j'ai mis un certain temps avant de finir les quatre premières quêtes, hein. Mais bon. Moi surtout la quatrième, oui avec le C'était fou. laquelle? Ah oui, Avec moi, le. oui. J'avais pas compris au début qu'il fallait farmer les mobs. Ah si nous ça Enfin, c'est oui, au c'était début, je le savais pas dernier. quel mob il fallait défoncer. Et en fait, j'avais vu un petit enclos et trois mobs, et ensuite je les ai défoncés, j'ai vu que j'avais gagné trois trucs. Et j'ai regardé la quête et c'était ça. Donc vraiment, en toute logique, c'était bon. Ensuite, j'avais compris. Mais je veux dire, au début, c'est sûr, c'est peut-être pas tout simple, quoi. Non, moi je vais surtout vous parler dans l'arène, tu vois, Oui, le fou zéro. pareil, moi j'ai mis 3-4 essais avant de réussir à le faire, vraiment. Ouais, pareil. Au début, je comprenais pas. Ensuite, j'ai regardé sur internet, j'ai compris, sauf qu'en fait, je l'ai fail. Et la troisième, ça a réussi. Simplement. Bon. Voilà. Donc maintenant, vous voyez les temples. On arrive dans la phase Donc, technique. le but, c'est de récolter les quatre gemmes. Donc, il y a quatre gemmes. Si vous avez fait la quête, vous avez pu constater comme quoi il y a différents domaines. Il y a Brakmar, Amakna, Sufoka Nation. et Bonta. Voilà, vous avez les nations qui sont présentes en quelque sorte dans la quête simplement. Et le but, ça va être de récolter les quatre gemmes. Les quatre gemmes pour pouvoir avoir, je sais plus, c'est un sceptre ou pour pouvoir accéder. Alors c'est le sceptre Faites-vous... excarné Voilà. qui permet d'ouvrir plusieurs Voilà. portes Attends, non, contenant des ça coffres. c'est du spoil, s'il te plaît. Je vous En fait, conseille de venir là. vous devez avoir 3 gemmes. Et ensuite, vous allez les placer sur les 95 C des jolies dames là-bas. Façon aztèque. Et ensuite, simplement, vous allez avoir le sceptre anti-totem escarné. Donc, en gros, vous faites un clic droit là-dessus. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. On peut même commencer par là, si vous voulez. Parce que moi, je les ai encore en cours. Ben oui, nous Bah parce moi qu'on ça l'avait fait déjà déjà. fait, nous. Oui, moi Nous on peut les supprimer, nous voilà. pareil, ouais. Mais non, on va pas commencer par là, on va commencer T'inquiète, plutôt aucun spoil, par le aucun spoil, difficile. comme vous avez vu là-bas. Ok. Par le difficile, c'est-à-dire par là-bas. Le groupe de mobs ou bien les Non, cases? les Le cases. Les cases, les oui. cases, ah, tu J'avais m'as pris beaucoup l'astuce, de sauf temps. que maintenant, vu que j'ai pas le double Bon. écran, ça va être problématique parce que sinon vous allez voir. Je crois que je m'en souviens un peu, Moi non? perso, ah non, je me suis trompé. Bon, au moins on fait le combat. Venez sauter dans le trou, moi je fais pas tout seul. Vous voyez, Attends, hop, donc on saute dans le trou, vous voyez. En fait, c'est un chemin bien précis à faire. Et si vous le loupez, en fait, vous tombez Oh. dans les cases. Il y a un indice très simple, c'est en fait au Alors, mur. juste, Oui. je suis en train de bugger, je sais pas si vous me voyez. Je peux me déplacer dans la zone de combat. Donc voilà. Non, c'est bon. Moi, je te Bon, vois pour bien. moi je suis en face du mob.
Ah, j'étais à deux doigts d'y arriver. Non, c'est bon. Et donc en fait simplement un petit indice pour réussir si vous voulez pas le faire avec notre aide simplement. Vous voyez sur les murs en fait il y a des symboles et il y a les mêmes symboles au sol. Donc concrètement c'est ça qui vous permet de savoir sur quelle ou telle case marcher simplement. Donc si vous voulez pas aller sur internet ou regarder la vidéo, enfin cette partie-là vous regardez au mur simplement. Et voilà, petite astuce. Mais parfois le mur peut vous amener à vous tromper. Hein. Oui, tout à fait, oui. Non, non. Bah, des Si, fois, si. en fait, il faut aller dans un sens et vous allez complètement dans l'autre. Ah Par oui. exemple. Faut pas prendre sur la droite ou la Oui, gauche. voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, on va Bon, moi utiliser perso, je le justement connais ça. par cœur. Oui, voilà. Je. Attends. En même temps, je te l'avais filé sur Skype. Même pas, je l'avais fait sans ton. Oui, mais bon. Au petit schéma. S'il te plaît. Ça fait de la mauvaise pub. Donc oui, c'était quoi? C'était ça. Ça, c'est ça? En diagonale? Non. Oui, encore. Encore en diagonale? Si, ensuite tu vas sur le i. Ok. Tu vas Sur le carré en diago. En diagonale? Ici? Ensuite? Encore. Encore en diagonale? Ok. Non mais je le sais plus là. Avance d'une case. Ouais. Tu encore diagonale. Ouais. Encore. Encore, ouais. Ça, je m'en souviens. De l'autre côté en Ensuite, diago. je remonte en diago. Je monte. Encore. Non? Ouais, Non, encore. diago. Ouais. Là, tu viens vers moi. Ah, tu t'avances vers moi. Vers toi. J'ai Bah, peur. tu avances Avancer de deux cases. ici jusque là. Ah, ok. D'accord. Voilà. Ensuite. Du Ensuite, coup, je vais si je me avancer. rappelle bien, c'est ici, Ensuite. ici, 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 et on y est. Là en diagonale, c'est ça? Ouais. Ok, en diagonale et Et là, ensuite tu peux vous venir. papotez avec Avec ça. l'archéologue suffocien. Donc vous voyez là Vous vous obtenez une avez gemme. la petite gemme d'eau. Gemme d'eau assez pas mal. Donc ensuite vous pouvez marcher où vous voulez, hop, vous tombez dedans. Bon, c'était. Une fois que vous l'avez battu, que ce soit en groupe ou pas, ensuite vous avez juste à passer, ensuite vous réatterrissez ici simplement. Alors, je propose de faire d'abord les 4 gemmes et après tous les poser d'un coup. Oui, ça peut être pas mal. On va faire Donc les vous salles de voyez, l'infini. attendez, oui, à la fin en gros vous devez ouvrir ce portail-là. Donc pour Ouvrir la symbole, porte alors, avec le voilà, le boss. portail. Allez, donc le code c'est au bas milieu. Oui, ça je m'en souvenais. C'est pas Donc trop au difficile, surtout au début à chaque fois. bas milieu. Donc vous avez une chance sur 9 en gros. Si vous voulez le faire tout seul, pareil. Au bas milieu. Hop. Bah s'ils veulent le faire tout seul, à la base ils ferment les yeux quoi. Oui, voilà, c'est ça par exemple. Donc si vous avez fermé les yeux, on est dans la salle. Je Donc vous répète. pouvez les ouvrir. Voilà, ouvrez les petits yeux. Et donc, on lance. Voilà, donc c'est des escarlets simplement. De niveau 50, ça va aller assez vite. Juste chose à savoir, c'est que ils vous Elles copient, invoquent. elles Ils invoquent. vous copient en vous enlevant 200 Voilà, points de vie. c'est ça. Ils vous copient, vous enlèvent des points de vie. En gros, c'est ça. Oui, je me Ok. rappelle, je devais les battre Et avec on. 800 points de vie. Oui, par contre, Ah, un petit c'était problème aussi, c'est que vu que Jérémy Oza, donc Oh, tu JW9637, peux dire Jérémy, ils le savent tous, hein. bon, est plus bas level que nous, on a double risque de lui faire beaucoup de dégâts si on n'achève pas les avocateurs. Voilà. En gros, par exemple, si les escarnés en face invoquent les, enfin, Zapik ou Dark, moi je vais Comme ça. beaucoup, je vais en bouffer vraiment, vraiment, vraiment. Comme là, quoi. Voilà, par exemple là. Ouais, ça va, quoi. Et voilà. Ils font Ça. moins mal, normalement. Ils utilisent tout le temps la même Oui. attaque. Ouais, toi, tu te désopties en fait. Avant Oui, de faire cette quête, c'est. normalement, je vais Ouais. pouvoir toucher le mien. Ouais, finis-le. Moi, je vais finir l'excarné. Hop. Le mec. Encore un petit peu. Normalement, Non, je peux c'est bon. pas. Non, je pense pas. Je Peut-être. finirai. Vas-y, vas-y, vas-y. J'aurai assez. Allez. Je fais une colère de yop, s'il faut. Ah, maintenant. Voilà.
Donc vous voyez, une fois que le mob est tué, en gros, pareil, l'invoque meurt. Comme par exemple si vous... Logique. Par exemple pour le donjon champ pour champ, on en garde des bons souvenirs. Ah oui, hein, par exemple pour le donjon champ pour champ, les pissenlions lions invoqués. Bah si vous tuez le pissenlion lion, en gros toutes les invoques crèvent. C'est la même chose. Voilà. Ça au moins on s'en souvient. Super exemple. Ouais. Voilà. Vous savez tout maintenant. Si vous l'avez pas vu, regardez là, jeune Kiku. Ça parle de licorne, de sodomie. Non, voilà. Non, on parle pas de ça, s'il vous plaît. Pas les licornes. C'est très intéressant. Oui, voilà. Non. Évidemment. Très belle licorne. Donc ici, on obtient la gemme de montagne, il me semble. Terre, c'est bon, toi. Non. C'est C'est un Amakna. Non, Amakna, c'est orange. Non, Bonta c'est R. Là, il est orange. Bonta c'est R, c'est violet. Si je crois, si. Bon. Là je sais qu'on a eu Suffocat. Bah au pire, on a dû. Pourquoi est-ce qu'on regarde pas le nom, tout simplement? Je sais que Brakmar, oui, c'est une méchant. Brakmar c'est la dernière salle. Oui, voilà, ça c'est le dernier truc qu'on va faire. Le mec de la fin, c'est. Alors, désolé si ça me lag un peu vraiment. Salut. Je crois que c'est Brakmar, ouais, c'est de l'autre côté. Donc à vous de voir, est-ce qu'on fait d'abord la petite salle pour obtenir la clé ou on ouvre direct? Bon, on ouvre direct. En gros, attends, je vais juste leur montrer. En gros, pour avoir la clé, vous devez défoncer cet écarné en gros. Et une fois que vous l'avez défoncé, il y a un petit coffre qui apparaît là où il est simplement. Donc, en fait, on peut pas parce que j'arrive pas à ouvrir. Donc je sais pas pour vous. Essayez, mais vous allez voir. Je vais voir. Ouvrir avec la clé. Non, on peut pas. On est obligé de le faire du coup. On va. Bon, ça va être assez rapide. Oui, large. Assez. Hop. Donc, alors, juste point de vie, pareil. Oui, bah. Juste une information. Les excarnés en colère garçons font deux clones s'ils le peuvent, tandis que les filles en font un. Quoi. C'est assez chiant. C'est tout à fait normal. Hein. Géré, tu me laisserais pas ta place? Si tu veux. Merci. De toute façon, si tu viens vers moi. Bon, mais il m'a mis avant, c'est super. Ouais, c'est moi qui commence, et puis... Et comme on voit, on peut reconnaître les invocations, simplement, parce qu'ils ont la plus odorée. Là, voilà. Vous voyez le visage? Bah avant, il y avait des gros cheveux, par exemple. C'est assez différent, ça. Même tout simplement, on voit la panoplie au lieu de la tenue, quoi. Ah oui? Du costume. Ah, je savais pas ça. C'est ma panneau, ça. Oui, c'est la panneau de Dark, ça. Je savais pas pour le costume, là. Je savais pas. Si. Que les filles faisaient avec le costume. On nous voit comme si on n'avait pas de costume. D'accord. Tout cela était terriblement sexuel. On les fait avec costume. Youpi. Ah, voilà. Non. Et excusez-moi, cette chaîne n'est pas consacrée à cet humour, donc on va éviter ça, s'il vous plaît. Ça part complètement en couille. Ça part en... Non, s'il vous plaît. J'ai dit pas sur cette chaîne, ok? Pas de coucouillette? Non. Ok. Et non, même pas avec Loonfish, ok? J'ai dit non, s'il vous plaît, vous faites ça ce soir. Et vous faites pas dans la vidéo, ok? Ah, je vous jure. Bref. Petite amplification, ça va faire mal. YOLO. Attention l'animation. Voilà, nickel. Donc, il est mort. En souffrance le éternelle. Vous voyez le coffre qui s'illumine, vous faites ouvrir. Et hop, j'ai donné la clé à toute ma team. Hop. Donc par exemple, si un va faire un endroit et les autres vont commencer à défoncer les autres endroits, par exemple, vous pouvez faire ça et puis basta, c'est vite réglé. Donc effectivement, c'était bien un Amakna, hein, parce qu'on voit ici que c'est celui de Bonta. Toujours m'écouter, je vous jure, c'est jeune. Effectivement. Ah là là, c'est jeune. Toujours m'écouter. Excuse-moi. Excusez-moi, c'était la violence. C'était la violence. Elle va venir vers moi. Je le sens. En fait, elle va. Bah, ils vont tous les deux nous copier, j'ai l'impression.
Bah non, elle a pas un avec le costume, elle. Ouais, pour un épée puissant. Mais si, là, tu vois bien que le Dark invoqué, il a pas de le costume, il... Oui, il a pas de costume. Ouais, voilà. Bah oui. Et le mec aussi, il invoque sans costume. Bah oui. Bah oui. T'as dit comme quoi tu voyais, justement, pas le costume. Non, non, non. La fille, elle invoque une seule personne, que lui, il invoque ça, deux, tu oui, vois. Oui, ça, je suis d'accord. Mais t'avais dit comme quoi il y avait le costume. Non, non, j'ai dit justement que le vrai Dark, il a le costume. Ah, d'accord, j'avais pas compris tout de suite. Ok, d'accord, je me suis dit, en fait, ça invoque avec costume, je me suis dit, pourquoi depuis avant, ça invoque pas. Effectivement. Frappe-moi. Tout cela n'est pas frappe-moi dangereusement. Hauteur de 50 nuances degrés. Non, non, c'est pas moi. On s'en fout. On s'en fout. Mais Dark. Oui, mais j'ai pas assez pour me téléporter. Mais yo, tu parles. Allez. YOLO. Voilà. Bon, je disparais. J'essaie aussi de zoomer pour les personnes qui sont sur téléphone, peut-être, dans les combats. Oulala. Voilà, vous voyez, terriblement zoomé. On voit la belle crinière de Géré. Exactement. Ouais, donc le costume tellement stylé, je te jure. Sur et un Oza. Et aussi sa très longue queue. Non. Ok. Non, s'il vous plaît. Je dis pas sur cette chaîne, ok. Non, je parlais Zappy. Oui, Zappy, oui, effectivement, tout à fait. Donc, hop, on va lui parler. Sinon, je pourrais aussi dire. Sinon, je pourrais aussi dire que t'as un très gros fouet. Non, s'il vous plaît. N'essayez jamais de lire aux Amodas à l'envers. Ça donne. Oui, s'il vous plaît, on laisse le public faire, ok. Promis, ok. Évidemment, cette classe était déjà là avant 50 degrés, ok. Donc, aucun droit d'auteur, s'il vous plaît. Ne venez pas vous plaindre. On ne l'a pas dit, ok. J'aime les fouets. Non, j'ai dit non. Sans être un soldat. Ah, je vais être... Voilà. Super, donc moi je me suis pris du 393 de dégâts, c'est cool. Normal. Attends, c'est un normal. Petit peu dézoomé pour les personnes qui sont sur PC parce que sinon ça va être un peu trop près. Hop, voyez. Mais c'est très dur. Non, pour voir. Oui, c'est très dur de voir si t'es trop près. Quoi. C'est trop gênant, c'est trop gros. Voilà. Par contre, j'aimerais bien être frappé si y a possibilité. Là. Oui, ne t'inquiète pas, mon Zapik. Attends. Pour précision, je suis là, voilà. Hein. Je m'occupe de toi, ne t'inquiète pas. Ah oui. Oh, coup de fouet, j'adore. Je m'occupe de Gigi demain. Évidemment, aucun droit d'auteur sur le film Fiston. Pareil. Pour ceux qui regardent. Et hop. Hop. Nickel, la fulgu bien placée. Nickel, c'est beau. Non, je le finis pas. Oui. Puissant 40. Et oui, j'ai pas la panneau adéquate à mon niveau. J'ai une panneau niveau 45, écoutez, précisément. Moi, j'étais niveau 80, j'étais encore bouffetou impérial. Hein, sur. J'ai pas la panneau. Oui, mais voilà quoi. Comme on le voit dans tes vidéos, tu fais souvent très bas level, je veux dire. Bah, et j'essaie de les faire dans l'ordre. Justement. Voilà. C'est pour ça, moi, j'avais besoin de faire cette quête. Je me suis dit, allez. Bien, on la filme, ça peut-être intéresser des personnes. Même, c'est pas dans l'ordre des quêtes ni des donjons. Je veux dire, j'ai pas fait la quête en entier pareil. Mais je veux dire, c'est quand même intéressant. Voilà. Alors. Ah oui, c'est vrai, il faut les défoncer. Je me suis dit, ce serait trop simple. Et donc là, ce sera celle de Brakmar. Donc, comme on le voit, il y a deux garçons, j'ai envie de dire. Pardon. Donc, ça va promettre. Donc, ouais, deux garçons, une fille. Oui. Bon ben, tant que Géré il est avec son fouet, ça va aller. Oui, effectivement. Ah bah ça y est, quand même, j'ai un petit style, vous trouvez pas? Non, à peine. Pof, hein. Je préfère mieux avec la tenue. Ah oui, tu veux c'est pas sûr. Pas de stuff complètement scarabène? Bah à la base, non. En fait, parce que il y a Vasseur, ouais. Le chef de la guilde, qui me l'avait donné. Personne, oui, effectivement. Oui. Ah, donc, comment, juste une preuve,
Il vient bien d'invoquer deux personnes, comme vous le voyez. Oui, on l'a vu, il y a deux personnes sur la même case. Donc ouais, c'est là, bien... C'est vraiment normal, quoi. Oui, donc là, c'est moi et Dark en même temps. Oui. Donc, il y a deux fois moi... Non, trois fois, quoi. Oui. Plus une fois Dark. Ils sont sur la même case, qui est totalement oui. bizarre. C'est parce qu'ils ont été invoqués dans le même sort. Ah, putain, c'est des jumeaux. Voilà. Vous préférez. Donc je pense pas que je pourrais la finir le finir. Hop. 1, 2, 3, 4. Normalement je peux. Si ce jeune homme ne s'était pas placé devant. Est-ce que voilà. mon très cher. J'adore ça, c'est normalement je peux, mais. Vas-y, bouge-toi. Bouge-toi. Voilà, c'est parfait. Et bah j'ai frappé dans le vent. Alors. Boum. Et bah voilà, grâce à ça, j'ai fini. Grâce à un misclick. Nickel. J'adore ça. Allez, 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 hop, 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 hop. Alors. Heureusement que je peux mettre là. Hop, je vais finir. Ça fait deux en moins. Hein? Ah, franchement, il faut que je m'occupe de tout le monde. Hein. mec, ça va les chevilles? Tranquille. Les chevilles? Les chevilles, exactement. Pourquoi les chevilles? Eh oui. Les chevilles, c'est une expression. C'est pour dire, ça va, tu te la pètes pas trop. Voilà, vous voyez les incultes que c'est quand même. Non, je déconne, évidemment. Ils sont sympas. Que j'ai moi. Voilà, Zapik. 14 ans, inculte. C'est quoi ta tête? Ah, c'est... Bah, comme j'ai dit avant, si t'écouterais un peu ce que je dis dans les vidéos... mon abonné le plus fidèle, c'est... si t'écouterais oui, un je peu... Sais. C'est... attendez... La Crignos, voilà. Ah, ok. C'est j'ai oublié de parler au jeune homme, en fait. C'est cool. On a oublié de lui parler au jeune homme. La gouille. Alors, hop. Une gaffe qu'on lui attend, oui, chier. Hop, s'il vous plaît, pas de gros mots. Pensez il va t'envoyer de faire qui sont là. Allez. Ah je sais, il va t'envoyer rencontrer le dieu Osamodas. Exactement. Voilà. Donc maintenant vous voyez, je suis bien entouré, vous voyez. Bon. Ouais, je suis bien entouré, oui. Si vous voyez. Hihi. Bonjour. Dark. Ah oui. Je suis bien bonjour, entouré. Bonjour toi. Non, je déconne évidemment. Allez, on met les deux. Alors. Alors. Alors tu. Let's go. Ah, vous l'avez déjà fait, bah tranquille. Allez. Attends, moi je le fais pour les viewers. Mmh. Alors, vous mettez sur 95, c'est une gemme, une deuxième gemme. Non. Si, ça marche, voyez. Hop. Et c'est marrant, c'est que les gemmes sont bien placées. Vous voyez. Hein. Les gemmes sont bien placées. Ouais, bien quoi. Normal, quoi. Ils ont les tétons qui brillent. Oui, bref. Tout à fait. Ils sont tout neufs. Non, s'il vous plaît, pas commencer en délire comme ça, ok. C'était. Allez, on lance. C'est étincelant. Alors. Oh. Hop. Sympathie. Hey, c'est Scott. Yo. Un peu de mal, mais bon. Allez. En fait, je me rends compte, j'ai même pas le son du jeu, en fait, pour vous, les gens. Oui, mais c'est pas grave. J'ai même pas le son du jeu, alors à moins que vous me trouviez... Non, on s'en fout à part ça. Non, mais à part entendre ça, voilà, quoi, y'a rien à entendre sur ça. Oui, t'as raison. Bon, puis avec le Skype, c'est justement... Alors, en plus... C'est vrai. Alors du coup, peut-être que je vais mettre de la musique. J'en sais rien, ça se trouve. De la zizik, comme tu dis. Juste, on m'appelle, je reviens. Ok, à toute. Allez. Bref. C'est vrai, à cette... Ouais, voilà. Oh, je suis de toucher Zabik, mais bon. Ouais, c'est pas grave, ça lui fait plaisir.
comme il le dit. Il aime se prendre des coups. Ah ben moi je suis là heureusement. Petite osa, tu sais. Et ben, je peux plus rien toucher. Tu peux normalement me finir. Hop. Oui. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Je te tape ou ça pique? Oui, oui, si tu veux. Donc, reviens juste. D'accord, on t'en veut pas, écoute. On savait que c'était Ginette, ne t'inquiète pas. Bah oui, c'était Ginette. Il n'y a pas de mal, écoutez. Donc non, pour ceux qui connaissent l'origine de Ginette, on ne le dira pas. Simplement. Us. Petit indice, cet homme a trop de puissance. C'est un indice, hein, évidemment. Merci. Aucun copyright, on tient bien à le préciser, ok? Il est gros, ce coffre. Il est gros, le coffre. Il a une glace qui est à l'intérieur. Oh, voilà. Donc, une fois que vous avez cette clé ultime de puissance infinie, vous pouvez retourner... oui, je sais, je fais bien la voix. Vous pouvez retourner simplement au portail que j'ai dit dès le début... Tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, exactement. Merci, Zapik. Simplement, donc, date, portail. Écoutez-moi, je peux même pas l'ouvrir, moi, écoutez. Bah, moi, je suis. Attends. Mais je suis déjà devant. Oui. Attendez, je sais pas, j'arrive pas à le cibler. Non mais là c'est moi, ah, en si, fait. Ah, j'avais pas vu. Quand une personne l'a ouvert, non mais j'avais pas vu que c'était bon. Les trois premiers. Oui. Ça c'était chaud. Non, ça va. Bah, en fait, en solo, en solo oui, c'est chaud. Moi perso, je l'aurais pas fait. Moi perso, grâce au problème de connexion de Jérémy, oui, j'ai dû me la soloter cette salle. Je l'ai fait assez facilement donc Ouais. En fait, par exemple, en fait, petit problème technique, c'est qu'il y avait une coupure d'électricité chez moi. Donc en fait, j'avais plus de connexion internet, mais mon ordi, c'est un ordi portable, donc c'était bon. Mais je veux dire, j'avais plus de connexion internet, donc en gros, j'étais déconnecté. J'avais plus de Skype ni rien, donc ensuite, j'ai essayé de revenir, et en fait, j'étais déconnecté. Et donc, j'ai dû la refaire. Et ensuite, je me suis fail. Et là, c'est la troisième fois que je fais cette quête, et on va espérer la faire, enfin, cette quête. Allez, on lance. C'est parti. Allez, c'est parti, mon kit. On est à 3, c'est trop facile, sinon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est trop. Un chacun. Ça. On espère. Moi, je sais que je l'aurais pas, mais bon. Je vais peut-être me faire invoquer deux fois, ce qui va pas du tout être bien. Non, pas pour nous. Allez. Dark, tu sais que t'as le PVP activé? Bah comme ouais. Tout le monde a. Pourquoi tu as désactivé? Non. Bah oui. Hein, je me fais aggro par tout le monde moi. Pareil, mais moi je dis ah bah vu que moi je suis souvent avec la guilde et tout, peut-être. Eh bah voilà, je suis re-avoc. D'accord, bah. Oui mais c'est que le PVP il m'aime pas activé, il t'aggro quand même. Hein. Bon, oui mais non, moins. Ils ont pas d'intérêt. Ils ont pas d'intérêt. Bah, et surtout moins que si ton PVP est activé. Clairement. Tu gagnes même pas de points, je crois. Oui, Non, t'en perds. T'en perds si t'es un citoyen honnête. Oui. Ainsi. Oui, si t'as gros quelqu'un, par exemple, de ta nation. Si le citoyen hurle la loi, on peut l'agrouer. Oula, attention. Oui, exactement. L'agro et on gagne des points. Oui, beaucoup de points. En fait, s'il a pas son PVP activé, on gagne des points parce qu'il est hors la loi. Logique. En gros, c'est comme l'ancien système de garde. Oui, mais juste, combien de fois je suis invoqué sur ce... Trop. Trois fois, non? Oui. Deux, trois fois. Voilà. Trois fois. Ouais. Oui, trois fois. Non, deux. Non, trois. Il y en a un là aussi. Attends, trois fois. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas toi, si. Ah si, t'as raison. Si, je suis partout. C'est l'original, c'est vrai. Non, pas celui-là. Je me suis trompé. C'est là l'original, évidemment. Trop puissant. Le beau, le grand, le fort, Zapik. Je sais, merci. Évidemment. Merci. Tout cela n'est pas sincère, évidemment. Bon, ça on le dit. On appelle des donjons, hein. Première salle, je n'y arrive pas. Oui. C'est la première chose qu'il m'a dit. J'étais très bas level, j'étais niveau 50. Donc tout pile, pour pouvoir le faire. Oh, j'avais le plus bas level, tu vois, quand t'as la mission, je suis allé la faire. Je l'ai pas pour autant que je l'ai raté.
Ouais, voilà. Oui, mais si, vu que tu l'as fait niveau 53, donc tu avais 3 niveaux de plus que moi quand je l'ai fait, point. Attendez, là c'est intéressant. Là aussi. Il aime pas perdre. Mais ça, on le sait tous. Comme tout le monde. Voilà. C'est pas que j'aime pas perdre. C'est pas que j'aime pas perdre, c'est que j'aime bien gagner. Oui, nuance. 50. Ah, 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 50. Pardon, excusez-moi. No copyright, évidemment. Allez, allez. Vas-y, défonce-lui. Défonce-lui quoi ? Il pourra pas le finir. Sa tête. Oui. Attends, Jean-Kevin, 9 ans, sur Wakfu, un troll. Pardon, excusez-moi, c'était... Ouh là, la voix. Oui, excusez-moi, ma voix part assez facilement pris quand même. Alors, juste, je tiens à dire, Dark, je te l'ai mis dans l'anus. Voilà, en termes de... des gros mots. S'il vous plaît. Alors, ok, pas du tout gros mots. Mais essayez moins et avec des termes techniques appropriés, excusez-moi. Comme là. Comme ici, par exemple. Voyez. Comme, par exemple, non. Dark aime le pénis. Non, je... Alors là... S'il vous plaît, arrêtez pas cette vidéo qui part en sucette. Ah, t'as vu ? Sucette, excusez-moi. Si on est fort, hein ? Ouais, on est fort, on se retient honnête, là, parce que d'habitude, quand je suis avec cette arrière, en général, on se lâche et tout. Mais non, là, on arrive. Mettez-vous à genoux devant votre roi. Non. On peut pas le dire, mais on peut peut-être l'écrire. Attends. Ouais. C'est pas interdit, là. Voilà, aucun respect, tu sais. Chroniquement, hello. C'est vrai. Alors, juste rester à côté. Juste un conseil, si vous savez pas écrire le mot coucougnette, vous le dites comme ça. Non, arrête. Arrête, s'il vous plaît, on se calme, ok. C'est peut-être la fin de la vidéo, mais on se calme, ok. Juste, je viens de m'apercevoir que je l'avais écrit en chat guild. Oui, j'ai vu ça. Youpi, la dose de sérieux pour la guild, merci. Donc, tu vois, tout le monde qui a staillé de la guild. Non, merci de moi. Ah oui. Coucou, Niette. C'est comme le lapis lazuli pour... Voilà. Oui, attends. Pour Minecraft, attendez, je vais le faire. J'aimerais bien passer devant. Attends. S'il juste... vous plaît. Là, je me claque ici. Okay. Et bas level derrière, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. C'est comme à place de la... Comment on appelle ça? La pique derrière. On dit... Comment on appelle... comment on écrit lapis lazuli normalement? Je sais plus. Non mais modifier, on dit comme ça. Oui voilà. Non. La semi. Non, on dit comme ça. La jolie. Pas voilà, c'est ça. Ah là là. Donc, bref, on s'en fout, s'il vous plaît. Il invoque très vite quand même. Hein, oui. Pour une fois le coffre. Donc le coffre. C'est normal, faut pas s'attaquer aux autres, faut directement attaquer. Il a 800 points de vie. Oui, donc j'aimerais bien que Géré, tu me frappes à mort, parce qu'il me faut 25 de charge. Je vais essayer au plus vite d'arranger ça. Ouais, il est facile le boss. Hein. Oui. Il descend aussi ta PO au max, le boss. De quoi ? Le boss, il te descend ta PO au max. Ah bon ? Ouais, je crois. Aïe, ah bah ça va pas le faire ça alors. Attends, hop. Non mais je crois que c'est juste un tour. Hein. Je suis à 13, hein, je suis à 13. Hop. C'est bon 15. Je peux pas plus, hein. Allez, dans le tas et vole. Trop de non-puissance en toi. Non. Bah si. Un mec super affaibli, tu sais. Super. Et hop, réduit de PO au minimum, voyez. Aïe. Ça fait mal. Et surtout, fait baisser de 1 PM, donc, qui est très embêtant aussi. Pour les... Enfin non, moi ça va. Mais ça pique. Moi j'en ai non, il y a Rome qui t'a répondu. Zapouille. Ah non, oui, il m'appelle. S'il vous plaît. Non, il m'appelle. Non, c'est juste qu'il m'appelle. Ah ok d'accord. Donc là, c'est ça va être speed. On va aller près du coffre et ensuite on va le défoncer. Comme ça, du coup, ça va finir le combat. Courir. Hop, 150. 107. Bon, un peu moins bien. On peut pas demander tout. Non mais. Il y a vraiment. Voilà, c'est bon. On l'a fini. Le gardien. Et normalement, la sortie. Alors maintenant, donc, s'il voilà. Vous plaît. Attention, je vais attendre qu'ils arrivent tous là. Ouais, attends, on avance pas. On pense en même temps, surtout. 3, 2, 1, allez, on rush. On speed.
Donc voilà, là on est attaqué par le gros caillou. Voilà, le gros caillou qui est ici. Allez, on fait tous vous. Mets-toi là-bas, Ouais. Et tournez-vous, c'est beaucoup plus. La grosse caillasse là, elle va aller dans l'autre sens. Justement, le but ça va être vraiment de speeder. Donc pour les sacrilleurs, GG. Ouais. Car pour les sacrilleurs, vous avez bel et bien 5 PM normalement. Bah je pense qu'on les a tous en fait les 5 PM. Non, moi j'ai 4 points de mouvement. 4 PM. Allez, laissez passer votre roi. Non, non. J'aurai 5 PM prochainement. C'est bon, allez, on va le faire mec. C'est bon, ça passe. Il faut que je puisse voir. Non mais ça passe là, j'ai eu de 10 000. Allez rush. Pour ça moi je me suis dit, allez vite, on le finit et ensuite ça va peut-être le faire. Je serai le premier à sortir du temple. Pas du tout, c'est... Effectivement, en fait, tu vas sur les sorties du temple et ensuite tu utilises le sort jeté vers la sortie. Oui. Ah, okay. Tu mets sur genre là où t'es et ensuite tu. Et là t'es sur le truc et tu fais sortie du temple. Et boum, le combat termine. Ah ouais déjà. Ah il en faut ouais. Juste un. Ok d'accord. Non mais je sais pas. Voilà, comme on voit le caillou bloc. J'étais tellement en train de rager. On m'a entendu dans toute la baraque. Donc hop. Allez, c'est parti, gérer la mission va s'arrêter. Attends. Ah, il faut juste sortir maintenant, c'est bon. Ouais. Ok. Ah, vous avez gagné, apprenti archéologue. Donc en gros, j'ai maintenant quoi? Non, attendez. Je vais juste dans mon inventaire, je vais voir enfin si. Attendez, je vais voir. Et tu as le truc Excarnus. Excarné. Attends. Où? Dans objet de quête. Ah dans objet de quête. Oh la vache. Oh, donc, ensuite j'ai cru que je l'avais pas. Oui donc. C'est non mais ça m'a fait pareil. Oh la vache. Juste. Je sais pas si on a le droit quoi de montrer un décor. Hein. Un des coffres. Je ferai une vidéo où je mettrai. Il y a des coffres ici où tu peux pas encore atteindre. Moi par contre j'en connais un où est-ce qu'on peut l'atteindre très facilement. Bah il y a juste en haut. Oui, il est à côté. Écoutez, ce que je vous propose c'est que moi j'arrête cette vidéo maintenant. Un bonus. Non, je fais pas le bonus. Je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai la plupart des portails simplement. Façon simple, vraiment avec une petite musique de fond. Hop. Et puis je vous montre tous les endroits. Voilà. Le mot de la fin pour Dark cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était Zap. Vas-y, le mot de la fin. Tu vas dérouler. Pas l'hélicorne. T'as pas mangé, putain. Rien, ok. Oui, bah bonne app. Et dis juste. Non, attends. Ouais. Moi j'ai juste un truc à dire. Ah, ce coup-ci, voilà. Sans faute. Oui voilà, parce qu'en fait la dernière fois, il avait pas pu parce que il était tellement plié de rire derrière et donc en fait il avait mal écrit mon truc. Et puis j'avais fini la vidéo avant qu'il ait fini je crois. Voilà. Donc le mot de la fin, quelqu'un? Abonnez-vous, voilà, même si on l'a déjà entendu déjà la dernière vidéo, mais c'est pas grave en gros. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était JW9637 sur Wakfu en compagnie de mes gros tarés, Dark J et Zapik, à la prochaine.